Bienvenue dans cette émission Ton motivateur personnel. Nous sommes dans notre série 10 secrets pour se surpasser. Je te donne 10 secrets pour te surpasser. Et aujourd'hui, on parle du cinquième secret. Et le cinquième secret, c'est ne sois pas comme tout le monde. Ah oui, je l'ai dit. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le reste de la population. Ne sois pas comme tous les gens de ton quartier. Ne sois pas comme tous les gens de ta ville. Ne sois pas tous les gens de ton secteur. Ne sois pas comme tous les gens de ton travail. Sois différent. Ne sois pas comme tout le monde. Oui, ne sois pas comme tout le monde. Parce que tout le monde veut gagner un certain nombre d'argent peut-être. Tout le monde veut avoir une petite vie peut-être. Tout le monde veut être resté dans son coin. Tout le monde a peur des erreurs. Tout le monde a peur des opinions des autres. Tout le monde, c'est ça en fait qu'ils sont. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde qui veut juste rester, qui veut juste le minimum. Ne sois pas comme tout le monde qui veut juste rester dans leur coin. Ne sois pas comme tout le monde. Bon, je respecte tout le monde. Je respecte monsieur et madame tout le monde. Mais toi, si tu as le choix, ne sois pas comme tout le monde. Oui, c'est à toi que je parle. Je dis encore, je respecte monsieur et madame tout le monde. Si tu veux rester dans ton coin, si ta vie est bonne comme ça, c'est correct pour toi, reste là. Mais si tu as le choix, je te garantis, ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Sois productif, c'est ça le mot. Sois productif dans tout ce que tu fais. Fais beaucoup plus que ce qu'on te demande. Sois productif, sois excellent. Je parle encore d'excellence. Ne sois pas comme tout le monde. Sois productif, sois excellent. C'est important. C'est très important, non seulement pour toi. Sois excellent. Fais plus que tout le monde. Fais plus que tes collègues. Fais tout ce que tes camarades de classe. Fais tout ce que les gens de ta famille. Fais plus. Sois productif. Sois productif. C'est très important. Parce que quand tu es productif, de même, tu vas devenir excellent. Sois positif. Même si les autres ne le font pas, toi, fais-le. Parce qu'on a tendance souvent à se fondre dans la masse. Ou parce que tout le monde ne fait pas, toi aussi, tu ne fais pas. Ou bien parce qu'ils commencent à te critiquer en disant que toi, tu fais trop, tu commences à baisser tes standards. Non, don't do that. No matter what, don't do that. Ne fais pas ça. Ne sois pas comme tout le monde. Si tout le monde travaille une heure, fais-en deux, fais deux heures. Tout le monde travaille quatre heures, fais-en cinq heures. C'est important. Ne sois pas comme tout le monde. Non. Tout le monde veut juste la note de passage pour y arriver. Tout le monde veut faire juste assez pour vivre. Tout le monde veut avoir juste un minimum seulement pour vivre. Tout le monde veut 10 sur 20. Tout le monde veut seulement 60%. Tout le monde est là. En fait, tout le monde veut. Mais toi, sois plus que ça. Sois plus que ça. Tout le monde veut seulement un petit peu pouvoir survivre. Non. Sois plus que ça. Ne sois pas comme tout le monde. Et quand tu n'es pas comme tout le monde, j'aime bien dire ceci, je le répète encore. Les personnes excellentes se font toujours critiquer par des personnes médiocres. Oui! Les personnes excellentes se font toujours critiquer par des personnes médiocres. Les personnes excellentes, waouh! Elles se font toujours critiquer par des personnes qui sont plus médiocres. Par exemple, tu es en train de travailler, tu travailles, tu donnes l'excellence. Maintenant, en fait, la personne qui est médiocre va commencer à te critiquer. Pourquoi? Parce que ton excellence, ça vient de dévoiler sa médiocrité. Oui, je l'ai dit. Parce que tu es excellent, ça dévoile ça. En fait, ça met la lumière sur sa médiocrité. Donc, comme elle ne veut pas se surpasser, elle va commencer à critiquer. C'est normal. Toi, ne sois pas comme tout le monde. Sois excellent. Ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde veut un peu. Tout le monde veut rester dans son coin. Tout le monde veut rester caché dans sa zone de confort. Tout le monde veut rester dans sa zone, de tranquillité. Ne sois pas comme tout le monde. Non, sois différent. Sois différent de tout le monde. Ne sois pas comme le reste de la population qui est en train de se plaindre. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que sois différent. Tu es différent de tout le monde. Si tu as le choix, je respecte tout le monde. Certains vont me dire que non, moi, je préfère avoir ma vie comme ça. Je préfère garder ma vie petite comme ça. Je préfère rester comme ça. Oui, je te respecte. Je te respecte. Reste là où tu es. Mais je te garantis, tu as le choix. Si tu as le choix, ne sois pas comme tout le monde. Parce que tout le monde, à un moment donné, quand la vie passe, tout le monde est laissé derrière. Ne sois pas comme tout le monde. Toi qui m'écoutes présentement, prends la décision aujourd'hui de ne pas être comme tout le monde. Alors, c'était le cinquième secret pour se surpasser. Mets dans ta tête, ne sois pas comme tout le monde. Même si tout le monde a 10, toi cherche 15. Même si tout le monde a 1000, toi cherche 2000. Même si tout le monde a un peu, cherche plus. Cherche toujours plus. Cours le deuxième kilomètre parce que les champions courent toujours le deuxième kilomètre. Aïe, ça c'est un autre point. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je crois que c'est dans une prochaine vidéo qu'on va aborder ce sujet. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, le cinquième secret. Mets dans ta tête. Ne sois pas comme tout le monde. Alors, c'était Angel King, ton motivateur personnel. Peace out.